Alors euh, merci beaucoup d'être venu à notre sixième séance du, du séminaire sur le documentaire organisé avec Arnaud et Cinémathèque du documentaire de la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou et moi-même Stéphane Breton, euh, École des hautes études en sciences sociales. Donc cette sixième séance euh, nous permet d'accueillir Avi Mograbi. Euh, qui va euh, commencer à parler d'un film qui n'est pas de lui. C'est un petit peu le système dans ce séminaire. On, on, on fait parler nos invités sur euh, un film qui n'est pas d'eux, pour ensuite les, les entendre euh, euh, librement sur d'autres choses. Parallèlement à ce séminaire, nous avons fait à l'école des hautes études en sciences sociales à, sur le campus Condorcet Aubervilliers un petit cycle. Au cours duquel on a projeté trois films d'Avi Mograbi, le dernier hier soir pour un seul de mes deux yeux. Et nous l'entendons demain soir dans une masterclass à 18h au centre de colloque au campus Condorcet-Aubervilliers, métro front populaire. Et le, le centre de colloque est à 10 mètres ou 12 mètres de la sortie du métro. Euh, que puis-je dire Alors, donc aujourd'hui, sur le modèle de nos séances habituelles, nous avons trois heures, nous partons d'un film et nous traitons du documentaire en général. Et évidemment, on compte sur vos questions parce que c'est une séance de travail et pas seulement de, 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 de spectateurs passifs. Euh, ce que vous n'êtes pas. Et à la sortie, bien sûr, pour les étudiants inscrits qui veulent signer le cahier, ben je, je serai là. Donc, nous regardons ce film de Raed d'Andoni et nous discutons. Et euh, Arnaud, vous. Bon, ben je, je vous le passe. Oui, oui, pardon. <laughs> c'est comme le téléphone. Euh, non, c'est juste qu'on ne va pas lancer le film puisque Avi Mograbi euh, va, va dire. Euh... Euh, quelques, quelques mots, va un, introduire le, le film, puisque, comme l'a dit Stéphane, c'est un film qu'il a choisi, mais comme la règle le veut, un film qui n'est pas de lui. Voilà. Et j'en profite. Bah, Peut-être que vous pouvez accueillir euh, Avimo, Avimo Grabi. <laughs> Parce que c'est quand même un événement pour nous bien sûr de, de recevoir cette cette grande figure du documentaire mais d'un documentaire qui n'appartient qu'à lui <laughs> d'une d'un cinéma qui ne qui lui est tellement personnel donc on est évidemment très très heureux et j'en profite pour aussi présenter armel chrétien qui, qui va faire la, la traduction voilà donc avis euh, few words before the screen hello <clears throat> thank you for coming. Uh, thank you for uh, uh, deciding to uh, 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 watch this uh, very special film, Ghost Hunting, La Le Le Chasse, Le Chasse aux Fantômes, uh, by uh, Raed Dandoni. Bonjour, uh, bonjour à tous. Merci d'être venu et d'avoir pris la décision de venir voir ce film Ghost Hunting, en français La chasse aux fantômes de Raed Andoni. This is a very special film. Uh, uh, the filmmaker is uh, a Palestinian, um, and uh, as you will see, um, the uh, uh, the film was born uh, from a, a trauma, um, a personal trauma but uh, not only personal. c'est un film très particulier d'un réalisateur palestinien et comme vous allez le voir, c'est un film né d'un traumatisme personnel, mais un traumatisme qui n'est pas uniquement personnel. Most of the participants uh in the film of in this film uh, have been detained by uh, uh the Israeli uh, military uh at uh, uh, one stage or another. Donc la plupart des participants que vous allez voir dans le film ont été détenus uh, par l'armée israélienne et gardés pendant à un stade ou un autre pendant un temps plus ou moins long dans ce centre de détention. And this was also uh, the fate of uh, Andoni, the, the, the director of the film, uh, when he was a, a teenager. Uh, in, in the early in the mid uh, 1980s uh, quite a long time ago et c'est ça d'ailleurs été aussi uh, le sort qu'a connu le réalisateur du film Raï d'Antony uh, au milieu des années 80 donc il y a déjà un certain temps and yet uh the 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 memory of uh this detention uh stayed with him and uh brought him uh, to make this film uh, Some 30 or 40 years later. Uh, et, et pourtant le, le souvenir de cette expérience est resté avec lui et l'a hanté l'a poussé à faire ce film quelques 30 ou 40 années plus tard. And indeed, uh, the uh, uh, detaining is one of the measures that uh, uh, the, uh, Israeli occupation is, uh, is using in order to, um, uh, to destroy the, the social fabric of the Palestinian uh, society. Et en effet la détention est une des uh, nombreuses mesures appliquées par uh, le gouvernement israélien au, au fil de l'occupation pour détruire la, le tissu social. Um the numbers of, uh, of, uh, of the number of Palestinians from the occupied territories that uh, are uh, detained and have been uh, detained past et le nombre de palestiniens qui sont détenus ou qui ont été détenus au fil de ces 54 années est uh, incroyable et vraiment énorme et chaque famille a, a quelqu'un un proche qui a été en prison so this is why i'm saying this is not uh, just a personal trauma of uh, andoni right andoni but it is uh, a national uh, trauma of the uh, of palestinians occupied by israel in the west bank and gaza strip Et c'est bien pour ça que je parle non pas seulement d'un traumatisme personnel pour Raid Andoni, mais bien d'un traumatisme national pour la Palestine et dans les territoires occupés de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. So um I I suggest that um uh oh, one one important thing uh, to mention is that this film uh, has had a huge uh, success worldwide uh, and has won um le prix du meilleur documentaire Berlinale, au uh, Berlin Film Festival, en 2017. Et un autre élément important à souligner, c'est le succès mondial qu'a connu ce film. Uh, il a gagné le prix du meilleur documentaire à la, à la Berlinale en 19, euh, 2017. Donc, je suggère que nous regardons le film now. And uh, maybe later we can talk about uh, the uh, documentary method uh, chosen by uh, and Doni in making this film. Uh, maybe we can talk about, um, about uh, the odd situation where an Israeli, the occupier is showing a film of the occupied. Um, maybe we will uh, mention um uh, uh, Iranian cinema documentary fiction Iranian cinema well and whatever you will choose to raise the issues that you will choose to raise donc je suggère qu'à présent, on regarde le film et puis on pourra ensuite discuter de l'approche documentaire de, de Raed Andoni. On pourra aussi, sans doute, discuter de cette situation étrange où un, un réalisateur israélien l'occupant se retrouve à présenter le film d'un réalisateur palestinien occupé. On pourra sans doute également parler de cinéma iranien et de tout autre sujet que vous souhaitez aborder. I, well, I just mentioned the Iranian cinema, but uh, don't, uh, uh, don't let me uh, uh, confuse you. Raed andoni is a Palestinian filmmaker. Iranian cinema. Has to do with the method. Donc j'ai parlé de, de cinéma iranien, mais euh, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus, il s'agit bien d'un réalisateur palestinien. Euh, la question du, euh, du cinéma iranien interviendra plus au regard de la méthode. OK, uh, have a good uh, screening, bonne projection, et uh, à tout à l'heure. <clears throat> okay, thank you for uh, uh, the uh, uh, I, I mean I, I thank you in the name of Ride Doni. although I'm not authorized uh, to do it but I uh, definitely think that uh, this film uh, 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 de uh, deserves uh, an applause so uh Je trouve ça extrêmement fort et unique. Pouvons-nous avoir plus de lumière sur l'audience pour so, uh, que nous if... puissions voir Ah, parfait, merci. Voilà, un peu plus de, de lumière sur le public. Um, je, je vous remercie, je vous remercie dans, au nom de, de Raël Andoni, même si pas, je ne suis pas autorisé à le faire, mais je, je pense en tout cas que ce film euh, mérite des applaudissements et euh, que c'est un film extrêmement fort. <clears throat> okay, so um, what is uh, uh, very unique in this film, uh, if you, uh, I mean, in my uh, uh, view, is uh, the, the method uh, chosen by uh, uh, Raed and Doni to um, to revive uh, the memory. of the Moscobia uh, the interrogation center. Donc ce que je trouve euh, très unique et particulier euh, dans ce film c'est bien l'approche choisie par Andrei Donni pour faire revivre le souvenir euh, du centre de Moscovia. Uh, now on one hand uh this he didn't invent uh this method this is uh, uh something that uh, uh was already uh, done Uh, D'un uh, 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 côté, ce n'est pas une méthode qu'il a inventée, c'est quelque chose qui a déjà été fait auparavant, et uh, dans, dans une minute, uh, je vais vous rafraîchir la mémoire à ce sujet. films abaskia ostami and mohsen uh, mahmalbaf, namely close up and uh, a moment of innocence, uh, where uh, this uh, method of uh, reenacting a past event by the real people uh, is, is, uh, was, uh, this is uh, when i think this method was first exposed. I, Et je suis sûr que vous êtes familier du travail d'Abbas Kiarostami avec Close Up, par exemple, et le deuxième. A moment of innocence. A moment of innocence. Can you tell us the name? By uh, Mohsen Makhmalbaf. Um, dans, dans, c'est à, à mon sens ou à ma connaissance uh, les premiers moments où uh, cette approche a été uh, mise au jour. And, and This, this was a very interesting uh, uh, genre of, of uh, between um, uh, fiction and documentary where uh, the real people are reenacting their own roles in a situation that uh, happened in the past uh, and wanted uh, the, uh, and needed to be uh, Uh, revived for the screen. Donc, c'est un, un genre très particulier à cheval entre um, la fiction et le, et le documentaire où c'est uh, les gens qui ont, les personnes qui ont vécu uh, ces événements qui viennent reconstituer et rejouer uh, ces événements pour faire revivre le passé à l'écran. I'm not sure I'm And fiction but here it films donc je sais pas si uh, je suis très satisfait des catégories de la fiction et, de, et du documentaire mais je pense que uh, dans ce cas particulier et au regard de ces films quelques mots méritent d'être dit au sujet de ces catégories on one hand uh, for instance a moment of innocence we, by mahmalbah which is a film Where him and um, a, a, a veteran Iranian policeman uh, reenact both, both uh, point of views of themselves of a moment uh, during the revolution when Mahmal baf uh, tried to stab the policeman a moment of innocence. Uh, le, le, le film met en scène donc le réalisateur est un, un vétéran de la police uh, iranienne et uh, le réalisateur est, uh, et cet homme rejouent deux points de vue différents d'un moment de la révolution uh, iranienne où le réalisateur avait uh, tenté de poignarder un policier. Now it's very interesting. Each one of them uh, selects a young person to play his role. And, um, in the, and the, the film has two channels. For, for each of them, uh, there is a, a channel where supposedly, we don't know, but supposedly, uh, they don't intervene in each other's channel. And in each channel, the, the, uh, the protagonist, the older protagonist teachers, teaches. Et donc dans le film, euh, l'un et l'autre, le réalisateur et le, et le policier, choisissent une jeune personne pour jouer leur propre rôle. Et la, fa la façon dont c'est présenté, c'est qu'il y a deux de voies de, de canaux, euh, de, de chaînes, où, euh, où où qui soi-disant ne communiquent pas et où chacun... Euh, enseigne à la jeune personne qui joue son propre rôle, lui enseigne son rôle. c'est très intéressant because obviously these are two people who are antagonists in the in the in the in the reality and later in the film and they have different uh, views of what have happened mm -hmm. and they recreate those the events the way they. Sont-ils à l'avant ou ils les ressemblent à l'avant. Et donc c'est très intéressant parce que c'est deux personnes antagonistes à la fois dans, dans le passé et, uh, dans leurs, uh, et dans le présent et qui ont des points de vue uh, opposés sur, um, sur ce qui s'est passé et qui tentent de, de les recréer. Donc, d'un côté, c'est définitivement un documentaire. L'événement s'est commencé. Les personnes qui ont été qui ont participé à l'événement sont là pour ré-enacter donc évidemment uh, c'est un documentaire d'un côté c'est forcément un documentaire il s'agit d'événements qui se sont réellement passés et avec uh, les personnes qui uh, les ont vécues donc c'est un documentaire d'un autre côté c'est une fiction absolue Um, uh, there is uh, a filmmaker there who has decided to make a film about uh, uh, something that happened in the past but uh, obviously uh, the fact that they select uh, uh, young protagonists to play their role and and uh, they actually uh, write down the script for each and uh, uh, every channel uh, make it, makes it uh, uh D'un autre côté, uh, c'est une fiction. Il y a un réalisateur, un cinéaste qui est là et qui a l'idée de faire revivre cet événement. Il y a le, la sélection um, de jeunes personnes pour jouer ces rôles et il y a les dialogues écrits uh, pour ces rôles. Donc, uh, en l'occurrence, c'est forcément aussi une fiction. Now, another uh, uh, method, documentary method that comes to mind. Um, when viewing uh, this film and, and uh, when thinking about, uh, uh, a moment uh, close-up um, uh, reconstructions donc une autre méthode documentaire qui vient à l'esprit quand on pense donc, au film qu'on vient de voir mais aussi à a moment of innocence et um, et close-up uh, c'est le, le genre des uh, reconstitutions policières There too, in police reconstructions, and I'm sure that uh, you have seen uh, some uh, on television and uh, maybe uh, in, in films. I, for instance, made one film called The Reconstruction about a certain um, uh, murder affair uh, where the reconstruction was uh, the main uh, 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 evidence uh, for the conviction. Donc, euh, ce genre, je suis sûr que vous l'avez déjà vu euh, à la télé ou, ou dans des films, les reconstitutions policières. J'ai moi-même fait un film qui s'appelait the, Re *The Reconstruction*, où euh, la reconstitution euh, d'un meurtre sert de, de preuve euh, principale dans le film. Now, in, in, the, in the police reconstruction, there is uh, one actor or one participant that is the real a uh, person supposedly the assassin is playing his role yes the reconstruction is a kind of uh, uh, a testimony with actor with actors and, and acting donc dans ces reconstitutions il y a un participant qui joue euh, son rôle soit dit le l'assassin présumé euh, va jouer son son rôle euh, il s'agit d'une reconstitution qui est jouée But all the other participants are normally not the real people, but they are extras or, or uh, uh, yes, uh, extras, uh, policemen, not uh, professional extras. They are policemen who play the roles, the bit roles of the other characters involved in the event uh, that is being reconstructed. En revanche, euh, tous les autres personnages sur cette scène de, de crime reconstituée vont être des figu figurants, pas des figurants professionnels, mais d'autres policiers qui vont jouer euh, tous les autres rôles annexes euh, sur la, la scène qui tente, qu tente de reconstituer. Now, in this film, uh, on one hand, the reconstruction or the reenactment. Est not of a one specific event like in the films mentioned earlier or in the police reconstruction. Alors avec le, le film qu'on vient de voir, euh, la reconstitution ne porte pas sur un, un événement singulier comme ça peut être le cas euh, soit dans les films que j'ai évoqués, soit dans le genre donc de la reconstitution policière. It is rather uh, a reconstruction or a, a reenactment of of a systemic situation. And what happens here, uh, unlike uh, uh, unlike the films mentioned and the police reconstruction, is that the participants of the film, most of them are veteran prisoners, have been in the past in prison, have been in the situation. They play all the roles. Donc à la différence à la fois des films et de ces reconstitutions policières, ici tous les rôles sont joués par des gens qui ont euh, eux-mêmes été dans ces euh, dans cette situation, qui ont eux-mêmes été détenus, sont d'anciens détenus et qui jouent ici donc tous les rôles euh, garde, prisonnier, policier. I guess that that uh, when uh, Ra Andoni has uh, prepared for this film, he has made uh, a certain uh, i don't know if he's written a detailed script, but he probably has um, made a list of uh, situations uh, that he wanted to uh, return to uh, situations that he experienced or situations that other experience, obviously, one of the participants of the film is, uh, is an older expert that uh, provides a lot of knowledge and, and, uh, and uh, uh, input into um, uh, the situations uh, played. But basically, what we see is a lot of um, improvisation around themes. Donc je ne sais pas comment euh, Raed Andoni a exactement préparé son film. Euh, je ne sais pas s'il a écrit des, des dialogues euh, ou des scripts euh, très, très précis. Il a certainement eu en tête des situations qu'il voulait revisiter, soit des situations qu'il a connues, soit euh, celles des, des autres détenus. Et il y a effectivement euh, ce personnage euh, un, un peu plus âgé qui apparaît et qui semble donner énormément de... Uh, d'informations uh, supplémentaires sur, uh, sur ce qui vaut, uh, sur la façon dont les événements doivent être constitués And what happens is, is if you ask me demandez, la chose la plus that happens in the film <coughs> is when uh when the uh the veteran prisoner plays i say the but there are many different that are doing it when a veteran prisoner plays a, a, an interrogator or a torturer and he gets into the role uh, and and it becomes uh, violent and and uh, becomes uh, from and a theater improvisation, it becomes something that is closer to. Of course, they don't go all the way, but it come, becomes something closer to life. So a series of themes that explored. Et euh, une des choses qui apparaît les plus effrayantes dans le film, c'est quand euh, un ancien détenu, mais en fait ils sont plusieurs à, à le faire, joue le rôle d'un interrogateur, d'un bourreau, et, euh, euh, et que cette personne entre tellement dans son rôle que l'improvisation, sans aller jusqu'au bout, euh, se rapproche dangereusement de la réalité. There's a, a moment quite in the beginning of, of uh, the film uh, where um, uh, Andoni auditions uh, the guy who is uh, an actor to the role and they, they switch places. Andoni becomes the, the, uh, uh, the prisoner, and uh, the actor becomes the interrogator. And uh, it becomes uh, violent uh, very quickly, but then Andoni uses the magic word of the director cut. Donc il y a cette scène dont vous vous souvenez sans doute au, au début où il fait passer un, un casting et euh, il reçoit le, le, la personne qui est acteur et euh, ils ont ce moment d'interversion des rôles où euh, l'un devient euh, l'acteur, devient l'interrogateur et Andoni devient le, le détenu euh, et où ça devient très violent jusqu'à ce qu'Andoni utilise le mot magique et dit « couper ». Should be very happy with it's uh, the, 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 uh, the core of, of what he uh, wanted to do has immediately presented itself um, uh, in, in, and in, in very uh, strong uh, acting and, and at the very beginning at the moment of audition not even um, uh, uh, deep into the film. Donc d'un côté, c'est un moment dont un réalisateur euh, devrait être euh, ravi puisque l'essence même de, de son film se présente comme ça et d'emblée dès, dès, dès le casting, dès le début du tournage pas en attendant euh, le reste de, de, du film. On the other hand, when you look at uh, Andoni there when he says cut and gets jumps out of the chair. If if you remember, he just jumped out of the chair uh, where he was strangled film D'un autre côté, quand on voit Andoni à ce moment-là du film, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il bondit littéralement de son siège, et on se demande si lui-même se demande pas s'il veut vraiment faire ce film. Look, I'm sure that uh, uh, a lot uh, to be said about. Um, uh, The psychological uh, mean, uh, 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 meanings of, of, of such, such an act of, uh, of reenactment. I'm not a psychologist, so I will not say much. I, I, will just, uh, uh, I, I, I just know that, um, uh, for instance, uh, soldiers who suffer from shell shock a lot of times are brought. Back to the scene, the scene—not the scene of the crime, the scene of the of the event where they uh, uh, got, uh, 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 where, where they they uh, lost their—I uh, don't know how you call it—but when 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 they were affected uh, and uh, became shell shocked. Je suis certain, je ne doute pas qu'il y a énormément de choses à dire sur la signification psychologique que peut avoir ce processus de reconstitution. Je ne suis pas un expert en psychologie. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est aussi quelque chose qui est réalisé pour des anciens soldats qui ont des traumatismes liés à la guerre et qui sont ramenés sur les scènes qui ont produit ces traumatismes. Uh, the ex prisoners uh, also play the interrogators and and uh, the prison guards uh, here in this film something uh, uh, unbelievable happens they also build the prison they build the detention center they um, it 's it's not just um, reenacting uh, on stage or in a given, uh, in a given uh, environment, maybe a real given environment, uh, the roles of both sides, but actually building the, the, the mechanism that has left such uh, trauma on your life. Donc y a quelque chose I voudrais ajouter. Euh, quant à ces prisonniers qui jouent le rôle des, des interrogateurs et des détenus, euh, c'est qu'il y a non seulement ça, mais ils construisent également euh, le centre, la prison dans laquelle ils ont été détenus. Donc il ne s'agit pas seulement d'une reconstitution qui est faite sur scène ou même dans les conditions réelles, c'est une reconstitution qui est réalisée au sein euh, de l'espace dans lequel ils ont vécu ces expériences et qu'ils ont eux-mêmes reconstruites. And you know, when I uh, watched the film for the first time, or maybe even the second time, I asked myself, why does uh, Raya Dandoni uh, leave in the film those moments when the construction manager and the prop man uh, have a fight? Why, why, why is it important? Why is it interesting for the, the, the larger uh, uh, theme of the film? Donc quand j'ai vu ce film pour la première fois ou même la, la seconde fois, je me suis demandé pourquoi est-ce que Raed Andoni conserve ces, ces scènes où on voit euh, le chef décorateur et le, le responsable des, des accessoires euh, se disputer euh, au sujet du décor. En quoi est-ce que c'est un élément important par rapport à, à l'arc plus, euh, plus général du film Uh, uh, provides a lot of tension. Obviously, the level of the trauma uh, um, raises, and that uh, the, uh, the, um, the, the actual uh, uh, b construction of the, the scene of the crime this time is, um, is of uh, high uh, value. Et donc j'ai mis du temps à, à comprendre toute la, la tension qui est fournie par la construction de cet espace, euh, tout le, le trauma euh, qui est apporté et qui est lié donc à la, la construction même de la scène de crime qui comporte une vraie valeur. Je vais conclure en mentionnant un autre film que j'ai fait juste un peu avant Ryde et Donnie. Uh, a film called uh, between fences uh, entre les frontières Donc pour terminer, je voudrais juste parler d'un film que j'ai moi-même réalisé temps, enfin, peu, peu de temps avant uh, celui de, de Raël qui s'appelle Between the Fences uh, entre les frontières en français. And there are certain similarities uh, between the films um, uh, so I, I was very happy to discover that at the same time that I was making uh, Um, a theater film uh, also um, Raya Dandoni uh, was making uh, a theater film Thea if you I don't, I don't know if a theater film is uh, I, I hope he will not be i uh, feel that uh, it's a, a lowering uh, description Donc il y a un certain nombre de points communs entre entre ces films et j'ai été ravie de me rendre compte que euh, me rendre compte à l'époque où moi je faisais un film de, de théâtre que Ray D'Antoni était en train de faire la même chose donc je parle de, de, de film théâtral film de théâtre j'espère que vous y verrez pas une, une description dégradante. Uh, my film uh, was not about prison but uh, it was shot um, just outside the prison. Donc mon film à moi ne portait pas sur la prison, mais il a été tourné euh, juste à l'extérieur d'une prison, le centre, un centre de détention pour euh, des demandeurs d'asile euh, africains dans le sud d'Israël. And uh, c'était uh, uh, the uh, so they, they un centre de détention ouvert pendant la journée ils pouvaient sortir et, uh, et marcher dans le désert mais c'était loin de tout donc en réalité ils avaient nulle part où aller And uh, myself and the theater director called Henalon um, Um, went there once a week for uh, uh, almost a year and a half. Uh, we found uh, a deserted uh, military hangar nearby, and where we actually created a theater workshop. Donc, avec Renalon, directeur de, de théâtre, euh, on s'est rendu sur, sur place une fois par semaine pendant un an et demi et on a trouvé un, un hangar abandonné à proximité et on a créé là un atelier de théâtre. La méthode que Renalon a apportée au workshop, la méthode de théâtre, était appelée le théâtre des oppressés, une um, méthode uh, qui uh, a été fondée par. Uh, Uh, director, revolutionary, and later uh, Augusto Boal. Et donc la méthode qu'il a apporté la méthode théâtrale qu'il a apportée, c'est celle de, du théâtre de Theater of the Oppressed, je crois que c'est théâtre de, des opprimés, ou de l'oppression, euh, qui a été fondé par euh, Augusto Boal, euh, un, un homme de théâtre et plus tard un révolutionnaire et plus tard un législateur brésilien. And in, in that sense, uh, there's it, it, something very similar to what uh, happens in Andoni's film, uh, because uh, uh, the, a group of, of uh, uh, a marginal group of society, uh, in, uh, according to this method, uh, creates a play uh, that is based on their experiences, life experiences, um, not necessarily one specific. Uh, event, but uh, uh, a collective uh, uh, experience like uh, uh, in this film. And uh, th so they, they write uh, the play, and uh, of course, uh, also uh, play it in front of audiences. Donc, selon cette méthode, un groupe euh, marginalisé de, de la société euh, va mettre en scène euh, des expériences vécues, pas forcément individuelles, mais collectives, comme on voit dans, dans ce film. Euh, donc, écrire une pièce et la jouer. So, um, uh, we we made uh, those two films uh, at about the same time, uh, with no knowledge of uh, each other's uh, work, and uh, I found it um, uh, uh, fantastic that. Uh, Uh, uh we both had uh similar ideas about uh how to um uh, reconstruct uh the memory uh, of uh of uh past experiences donc ces films ont été réalisés en, un peu en parallèle sans connaissance euh... l'un de l'autre et j'ai été vraiment étonné et très heureux de voir qu'on avait la même approche sur la reconstitution d'événements passés. Obviously, um, Andoni, Raed Andoni was himself a prisoner, uh, so um, this came from a, a very deep place uh, with him. My situation uh, was different bien entendu, Raed Andoni avait lui-même été euh, détenu, donc cette expérience venait euh, d'un de, de, endroit très profond euh, en lui. Uh, pour moi, la situation était différente. Uh, and now, uh, if you uh, wish to uh, uh, ask questions, to, if you have comments, to, if you want to relate to the film or to uh, whatever was said here until now. Mm -hmm. Voilà, donc désormais, si vous avez des, des questions, euh, des réactions, ou si vous voulez euh, proposer quoi que ce soit en rapport avec le film, euh, c'est à vous. Alors, je veux bien ouvrir le feu pour euh, chauffer le, la, la, les questions. Euh, donc, on, 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 ce, que, ce que Avi Mogrambi vient de dire ici, c'est qu'un aspect... Comment dire la qualité documentaire du film vient du fait que les événements évoqués sont des événements réels, passés, attestés par le passé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que. Understand you, you understand. No, so. okay. Ce qui est intéressant, c'est que dans les films d'Avi Mograbi... Il y a des films qui fonctionnent sur ce mode de, de manière plus ou moins, euh, enfin avec des, euh, des des nuances. Et puis il y a des films qui sont documentaires dans un autre sens, peut-être dans un sens plus direct, au sens du cinéma direct, où euh, ils ont une qualité documentaire non pas parce qu'ils se réfèrent à des événements réels qui ont eu lieu, mais simplement parce que il regarde quelque chose qui se déroule et dont on ne sait encore rien. Et je pense à, par exemple, à « août avant l'explosion ou pour un seul de nos deux yeux que nous avons revu hier soir et qui sont des films merveilleux en cinéma direct. Donc il y a deux. Ça ne peut être qu'une question de terminologie, mais plus profondément, c'est intéressant de voir qu'il y a deux façons de voir ce qui est documentaire. L'une qui est tournée vers euh, l'improvisé, l'insoupçonnable, le non défini, et l'autre qui est tournée vers la reconstitution quasi judiciaire de la vérité ou de ce qui a eu lieu ou de ce que nous savons. <coughs> yes, uh, you mentioned, pour uh, un uh, seul de mes deux yeux, where I find uh, an interesting parallel, very far away parallel but an interesting parallel to um, uh, maybe what we have vous avez parlé pour un uh, seul de mes deux yeux et je vois effectivement un parallèle peu lointain mais néanmoins intéressant par rapport au film qu'on vient de voir un uh, seul de i tried to make, um, a historical film um, a historical documentary and uh, about uh 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 two, uh, myths of, uh, two mythologies of the Israeli culture donc c'est un film pour lequel j'ai essayé de faire un, un documentaire historique uh, qui portait sur deux mythes fondateurs de la, la culture israélienne and you know when you make uh, or uh, sometimes when uh, uh, historical documentaries are made uh, the the uh, director Uh, interviews experts, uh, uses artifacts, documents, uh, uh, goes uh, to places, uh, archaeological or not, and um, sometimes even uh, uh, recreates, uh, dramatizes moments from how he believes the historical event happened. Et donc dans ces documentaires historiques, vous le savez sans doute, souvent, on, euh, le réalisateur va interviewer des, des experts, euh, donner à voir des documents, des artefacts, se rendre sur les lieux, euh, et même, souvent, parfois, remettre en scène et dramatiser certains moments et la façon dont il imagine que ces moments se sont déroulés. to dramatize was or to, to simulate um, was uh, uh, a situation of siege de mes deux situation de siège because one of the mythologies that i was dealing with the mythology of masada is about the roman siege of uh, the last jewish uh, Uh, rebels uh, besieged on, uh, on, uh, on the top Donc, situation de siège, parce qu'un des mythes que j'explore, c'est celui de Masada, où les Romains assiègent les derniers rebelles juifs réfugiés en haut d'une montagne dans le désert. And instead of, of, uh, of uh, dramatizing it with actors and, and costumes and. Uh, Decor, etc. Uh, I, what I did was uh, simulate it with uh, real events, documentary moments happening then, now, uh, in the occupied territories, moments of siege, moments that, that uh, if you hear on one hand a storyteller telling. The story of the siege and on, uh, that happened uh, two thousand years ago and on the other hand, you see uh, people that are being besieged now now <laughs> Donc au lieu de dramatiser ça et de mettre ça en scène avec des acteurs et des costumes et, et des décors, euh, j'ai dramatisé ça en, euh, en filmant des, des scènes documentaires euh, qui se passent aujourd'hui dans les territoires occupés, en faisant du coup un, le parallèle entre euh, tous ces narrateurs qui racontent ces mythes fondateurs de choses qui se sont passées il y, a, il y a 2000 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Uh, Uh, to do an exchange of roles, or because in 2000 years ago, the, the besiegers were the Romans, they were the, the empire, they were the power. And the, the uh, Jews uh, were the rebels who uh, were under siege. Nowadays, the roles have changed. Uh, the 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 power is now the Israelis, the descendants of the Jews, uh, the Jewish rebel are now the power who are besieging the Palestinians. So the the uh, this twist in in um, in the roles and in the power was actually um, uh, the the part of the message I wanted to. Uh, uh, to forward uh, with the film. Donc on retrouve le même thème de l'interversion des rôles, puisque euh, il y a 2000 ans, l'Empire, c'est l'Empire romain, les assiégés, c'est euh, le peuple juif, et euh, si on avance dans le temps aujourd'hui, euh, les descendants du, du peuple juif, euh, Israël, se retrouvent en situation de pouvoir, euh, les Palestiniens en situation d'occupé. Donc cette interversion, cette, cette bascule au niveau, de, euh, au niveau des rôles faisait euh, sans aucun doute partie du message que j'essayais de faire passer à travers le film. Je ne suis pas sûre que j'ai répondu à votre question. C'est assez intéressant, en tout cas. <laughs> ok. Pouvez-vous prendre quelques de vos questions Sûrement. Est-ce qu'il y a des, des questions, des remarques Oui. Euh, bah, J'avais une question euh, plutôt technique sur le film qu'on a vu. Euh, en fait, j'aurais voulu savoir comment Raïd Andoni avait présenté euh, le projet aux gens qui recrutaient. Est-ce qu'il leur a expliqué que c'était un film euh, sur l'emprisonnement la... enfin, ou est-ce qu'il leur a expliqué que c'était un documentaire sur leur expérience euh, de l'emprisonnement It's a question about how the process of making the film by Aride uh, right, uh, Andoni. Um, do you know how he presented it to the people who participated in the film? Uh, um, whether he said that it was a film about detainees or being, being detained, or if he explained that it would be a documentary about their own experience of detention? Well, obviously, I don't know. <laughs> I, 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 was <laughs> not, uh, I was not there. Uh, but I think that you understand from uh, in the beginning of the film that he has, uh, he has uh, uh, published uh, an ad in, in the newspaper or on uh, on the internet inviting ex prisoners uh, to come and play in a film. Um, I, again, I did not see the ad, so I don't know what exactly was written there. But of, of course, when you invite ex prisoners, uh, it's, uh, uh, you give them a clue what the film is going to be about. Donc, je ne sais pas parce que je n'étais pas, pas sur place, mais euh, on voit et on comprend du début du film qu'il a fait passer une annonce dans le journal dans, sur, sur Internet où il fait appel à d'anciens détenus. Donc, euh, encore une fois, je pas lu l'annonce, je n'en connais pas le détail, mais je pense qu'en invitant d'anciens détenus, euh, il donne un, un indice de ce sur quoi portera le film. Uh, uh, in, in et uh, conversations Uh, or in the auditions uh, that are in the beginning of the film, uh, the question of uh, who served uh, time and where is, uh, uh, is there all the time. It's, it's very clear that this is a, a fundamental. Um, uh, it's, it's true that not all of them have answered the, this uh, 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 minimum requirement, but uh, it, it, uh, it is clear that this is a, a very. A fundamental requirement for uh, uh, the making of the film. Et donc on voit au début uh, toute la scène où ils posent la question sur uh, où est-ce qu'ils ont été incarcérés ou détenus, uh, combien de temps. Donc même si tous ne répondent pas en, en réalité um, à cette condition, uh, il apparaît néanmoins que c'est une condition fondamentale pour la réalisation du film. I'm de, de present And um, <coughs> it's clear that there are several, level, several stages to this project. And, and uh, the, 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 the first stage would be to recreate the, 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 the prison from, from the memory. Donc évidemment, il y a plusieurs étapes à ce projet. La première serait euh, de recréer, reconstituer la prison à partir de leurs souvenirs. And once uh, the prison is uh, is recreated, then uh, certain uh, uh, scenes can be played in the, the uh, already existing, uh, prison. Puis, dans un second temps, une fois la prison créée, on peut commencer à jouer certaines scènes. Uh, dans les espaces qui ont été créés. so i don't think that i would have uh, uh, proposed to the people to, uh, to make a film about uh, um, their prison experience. i think i would have suggested that we will build the prison and we will see. Ce qu'il fait pour nous et comment nous Et documenter le processus. Donc, je ne suis pas certain que j'aurais présenté les, les choses comme ça aux, aux participants, que je leur aurais de, demandé de faire un film sur leur expérience. Je pense que je leur ai, aurais dit. On va construire une prison et um, on, on va travailler et, uh, et filmer uh, la façon dont vous vous rapportez à ça et on va filmer uh, le, le processus. I, look, I believe uh, very much in, in the process, in documenting the process. And at least um, uh, most of many of my films are their own uh, making of. Donc je crois fermement, résolument à, à ça, au processus et à la documentation euh, du processus et en ce sens la plupart de mes films sont leurs propres making of. Because what happens to you uh the filmmaker and in this film to the group of people who are gathering to collectively uh, 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 parce que donc c'est ce, ce qui arrive au réalisateur et dans ce film uh, est, est très important et dans ce film aussi uh, ce, ce qui se produit pour ce groupe collectif qui se rassemble comme une séance de, de spiritisme pour faire revivre l'esprit du passé. So, what happens, uh, it, In the, in the process is sometimes more interesting than the, or, than the original idea because uh, what is strong about making documentaries is that life or reality backlashes reality does, is not fixed reality uh, uh, is, is, a, is responsive to your intervention Et euh, en ce sens, le processus est souvent plus intéressant que euh, l'idée première. C'est tout l'intérêt du, du documentaire c'est que la réalité euh, un, un contre-coup. Euh, elle réagit à, à votre intervention. Je ne suis pas que Of the perpetrators, not themselves, play, playing the role of the others, those who tortured them. The, for me, uh, I, I couldn't, I wouldn't imagine that this is uh, what people uh, would become, or uh, this is how they would uh, react. I don't know Raed had anticipated the violence. Um... Des, des, des participants quand ils seraient amenés à jouer le rôle des, des bourreaux euh, moi en tout cas j'aurais jamais imaginé que c'est ce qui pourrait se passer on uh, probablement naïvement que uh, nous, les humains apprenons de notre propre expérience. et si quelqu'un est violent contre nous Then we learn from this not to be on a sans doute la, la naïveté en tant qu'être humain de penser qu'on apprend de nos propres expériences et que si quelqu'un a été violent envers nous, on ne sera pas violent à notre tour envers les autres. Apparemment, la nature humaine ne fonctionne pas forcément selon cette logique. And we we have all uh, we uh, well I guess everybody in this room have uh, read uh, those uh, researchers that uh, say that uh, a lot of times uh, battering parents have the history of being battered children. And you have already read the studies that abusive parents. ont été eux-mêmes euh, des victimes euh, et des enfants battus. So uh, okay. J'ai un peu digressé par rapport à la question, mais j'espère y avoir répondu au moins en partie. Bonjour, oui. Bonjour et merci pour ce magnifique film. J'ai une question qui m'obsède parce que je sais qu'un film, ça s'écrit d'abord. Et comme ce film est très intime et convoque aussi une mémoire traumatique, je me suis demandé comment il avait pu écrire ce film, puisqu'il a écrit et réalisé. Je me suis demandé aussi, si le montage forcément a beaucoup aidé, mais il y a une, il y a une, une écriture nécessaire à ce film et je me demande comment c'est possible.

<coughs> uh, well, you say thank you for the film, and I feel uh, <laughs> uh, already uh, uh, it's a compliment for me. But I didn't make this film. So you for the film, and I'm happy with compliment, but I didn't the film. But obviously, I agree with your, uh, uh, with your impression and uh, with your enthusiasm. Mais je suis évidemment uh, tout à fait uh, du même bord d'accord avec vous pour, uh, au sujet du film et uh, par rapport à uh, l'enthousiasme que vous exprimez. Look, this is always a question uh, in documentary, uh, in 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 an intervention within reality. How do you write it, or whether you can at all write it? Donc, c'est toujours une question, de toute façon, pour, pour les documentaires et uh, ce qui est en prise avec le réel. Comment, comment est-ce qu'on écrit ça Parce que je pense que si vous demandez aux filmmakers documentaires, ils vous diront que one des choses les plus fascinantes ou les plus excitantes de faire un documentaire you que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et sans doute, si vous posez la question à un réalisateur de documentaire, il vous dira, il vous dira que la chose la plus, la plus excitante, la plus fascinante dans la réalisation de documentaire est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et vous vous mettez dans une situation, dans une scène existante, que vous avez peut-être des pensées ou des idées, mais ça ne veut pas dire que la situation commence. Starts acting according to your wishes. Et on se jette dans une situation ou une scène existante, exi, existante, pardon, sur laquelle on a sans doute des idées ou des, des opinions, mais ça ne veut pas dire que la situation uh, démarre au moment où vous le voulez. Now, <coughs> I'm sure that uh, Raed has made Raed and Donny made several decisions, although he did not know how they will. Uh, be uh, materialized, how they will be realized. and i'm certain that rael andoni had to take certain decisions, <coughs> not knowing how they would materialize. how do you make a film? you choose actors. you build a decor. You uh, do. A, uh, you create an environment for where the film will happen. right? this is one decision. Donc, comment est-ce qu'on fait un film On choisit des acteurs, on, on établit le, le décor, on établit l'environnement dans lequel le film va être tourné. Donc ça, c'est une première décision. You select people that you know have the treasure, or you know treasure. It could be a, a treasure of full of snakes who have the treasure inside them and that you believe can share it with you et on on choisit des gens qui ont ce ce trésor en eux ça peut être un trésor rempli de de serpents mais uh, qui vont pouvoir partager ce trésor avec vous uh, you bring in uh, an expert uh, someone to guide you an older to take away a little of the responsibility from you like uh, the the uh, The older expert. Donc on fait intervenir un, un spécialiste, quelqu'un de plus âgé, qui va peut-être uh, uh, permettre de, de dégager un petit peu um, le poids de la responsabilité, comme dans le film, le spécialiste, l'ancien détenu qui est plus âgé. And obviously, you bring uh, a lot of your uh, experience, a lot of your memories, a lot of uh, the, the things that happened to you. And there, the, I'm sure that Rade had a list of Of moments that he wanted to reenact. I, I have no idea which of them uh, are in the film uh, or whether he. Uh... Okay, sorry. It's fine. Um, et on, on apporte ses propres souvenirs et sa, et sa propre expérience son vécu, Et j'ai aucun doute que Raed avait une liste des moments qui, qui voulait, euh, sur lesquels il voulait travailler. Après, j'ai aucune idée lesquels d'entre eux se retrouvent ou non dans le film. But uh there there is uh, one uh, uh recurring sequence uh in the film that I'm sure comes from uh from his memory from his experience Mais il y a une scène qu'on voit un moment qu'on voit se reproduire plusieurs fois dont je suis quasiment certain qu'elle vient de sa propre expérience Uh the animated part where uh there's a young there's a boy a teenager Donc c'est le moment où, euh, en dessin animé, où on voit cet adolescent assis avec une cagoule, un sac sur la tête qui fait qu'il voit très peu de choses et qui se transforme petit à petit en hallucination. I never asked Raed and Dandoni about this, but I'm sure that this is a recreation of his experience. Uh, obviously, hallucinations, uh, you cannot reenact them, uh, or those hallucinations, you cannot reenact, and this is why he chose uh, the animation. But I'm sure, I'm 100% sure that this comes from his own experience. Et euh, je lui ai jamais posé directement la question, mais je suis 100% sûr que ce, ces passages euh, en dessin animé sont ceux de, de sa propre expérience. Les hallucinations, on ne peut pas les reconstituer comme, euh, comme les, les autres passages, pas, pas ce type-là, euh, d'où le dessin animé. Et j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ça, c'est sa propre expérience. Mais uh, uh, c'est. C'est pourquoi le film est si so excitant. Uh, 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 c'est la raison pour laquelle la réalisation de films documentaires, c'est quelque chose, un processus aussi excitant et fascinant, et uh, en même temps uh, rempli d'inquiétude, d'angoisse. You, you, you don't make a film about reality. You go and start dancing within reality and and in the uh, it's not clear if you know if donc on fait pas un film sur la réalité on va et on se met à danser dans la réalité ou avec la réalité et c'est pas très clair si on sait au départ comment danser i could see a project like this end up uh in a, uh, terribly uh if if the people uh, don't start dancing je vois très bien comment un projet de ce type pourrait très mal se finir si les gens ne se mettent pas à danser. Juste, je vais faire un, un tout petit. Je vais me permettre. Un, euh, est ce que je. je C'est peut-être une, une manie de programmateur, mais j'ai regardé le générique et il y a un, un scénario qui est crédité. Alors avec Raed andoni. J'ai vu qu'il y a Olivier Laurel, qui est un, un scénariste de fiction, hein, plutôt de euh, français. Et j'ai vu qu'il y a une troisième personne dont je n'ai pas retenu le nom. Vous pourrez retrouver euh, dans, sur Wikipédia ou ailleurs euh, le, 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 dans le générique. Le, le, donc il y a bien un scénario hein, qui est en tout cas crédité, euh, une préécriture euh, au film. Voilà. Yeah, it, uh, look, uh, we all prepare uh, in different ways. First of all, we don't know if the scenarist came in uh, before or after, because a lot of times uh, um, the, the, the real writing of the film is in the editing. Uh, but um, we all prepare. I, for instance, before making uh, Between Fences, I watched um, uh, Cesare deve morir by, by the Taviani brothers. qui uh, est aussi un film in prison. Là, les prisonniers sont sur le Julius Caesar. Mais pour comprendre quelque chose, j'ai regardé ça plusieurs fois. Oui, donc on, on prépare tous euh, euh, différemment. Après la question, est-ce que les scénaristes est intervenu euh, en amont ou en aval, euh, enfin, au début ou à la fin du, du tournage, comme vous, comme vous dites euh, souvent, c'est aussi au niveau du montage qu'on qu écrit un, un film. Euh, donc ça c'est une, une question qui peut se poser. Et puis après, effectivement, on prépare tous différemment. Moi, avant de faire euh, entre, entre les frontières, euh, j'avais regardé euh, César, César devait mourir, ou euh, c'est aussi un film sur la, la prison et sur la, une, une remise en scène de, de l'assassinat de César. It's very possible that uh, uh, Ray Dandoni, in his preparation uh, uh, for making the film, first of all watched other films and/or uh, discussed uh, uh, discussed uh, ideas and thoughts uh, with with, uh, with with this uh, uh, a scenarist um, uh, and and prepared more than I uh, than I. Uh, um, uh, uh, earlier uh, suggested. Uh, um, I don't know. I, it doesn't uh, seem to me, there are moments that uh, it's, sorry. Euh, donc, c'est tout à fait possible euh, que aussi euh, Raid Andoni ait regardé des films en préparation de, de son tournage et qu'il ait eu des discussions et des suggestions avec la personne qui est, qui est listée euh, en tant que scénariste. Donc, c'est possible que la préparation soit au fait euh, peut-être beaucoup plus exhaustive que ce que j'ai pu suggérer euh, dans, au début de cette discussion. Look, it's very clear that there are moments that are more staged. Donc il y a certainement des, des moments qui semblent plus euh, être mis en, en scène, par exemple la, toute la scène avec le, le prisonnier, ciga, les cigarettes et euh, le briquet. Même la façon dont c'est ces tourné euh, donne vraiment l'impression de quelque chose qui a été davantage préconçu. but there are uh, endless moments and i think stronger moments in the film that uh, you feel the spontaneity you feel that, uh, that uh, maybe like in uh, improvisational theater uh, the, uh, each uh, uh, of the persons in the room is uh, assigned with uh, a role uh, you are the you are the uh, but uh, basically they uh, Il y a un nombre incalculable d'autres moments, à mon sens plus fort aussi, qui sont davantage spontanés, qui sont peut-être comme dans le théâtre d'improvisation, peut-être qu'on a donné aux gens dans la pièce un rôle. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, mais qui sont pas pour autant scriptés. I'm sure that uh, the, we feel, I guess uh, many of us share. This feeling that this is a very strong uh, film because of those moments that uh, uh, feel like there are, uh, although they are acted, although it's clear that they are made for a film, but they feel authentic and come from uh, uh, a real experience. We don't feel that this is uh, something scripted or made up. Et j'imagine qu'on est beaucoup à avoir ce même sentiment dans, dans la salle, que la puissance du film euh, tient à ces moments, de, même s'ils sont joués, euh, de, de ces moments où l'authenticité euh, nous frappe et où, où on n'a pas le sentiment qu'ils sont inventés ou, ou réalisés pour faire semblant. Euh, J'aimerais poser une question. Ah oui, je parle dedans. Euh, Est-ce que le film a été projeté en Israël et quelle a été sa réception was it shown in israel and uh, no the the film was not uh, screened in israel uh, because uh, 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 well most of uh, the palestinian uh, filmmakers are uh, uh, boycotting israel and uh, they uh, do not allow uh, the screening uh, of uh, of their films uh, in israel uh, there was a different period uh, uh, until um, uh, be between the year 2000 and uh, 2006, I curated together with uh, another uh, uh, pr uh, film produ Israeli film producer, Osnat Rabelsi, we curated uh, uh, an ongoing, uh, a monthly program of uh, Palestinian films at the Tel Aviv Cinematheque, uh, once a month it was called the Occupation Club, and once a month we would screen uh, a Palestinian film, and sometimes even uh, uh, have the, uh, the filmmaker uh, come over uh, from the occupied territories and uh, uh, do a q and A. No. Ah, sorry. Yes. Euh, non, le film n'a pas été projeté en Israël pour la simple raison que beaucoup de réalisateurs palestiniens boycottent Israël et donc n'autorisent pas la projection de leur film en Israël. Il uh, y a eu une autre période entre 2000 et 2006 où uh, j'étais co-programmateur co -programmateur, uh, à la Cinémathèque de, de Tel Aviv um, d'un programme qui s'appelait The Occupation Club où on montrait une fois par mois des, des films de réalisateurs palestiniens où on avait parfois des invités des territoires occupés et des débats qui suivaient les projections. Uh, but, uh, since, uh, the year 2006... Uh, since uh, uh, the second Lebanon War, uh, uh, artists uh, uh, from the, uh, the Arab world have uh, decided uh, to boycott uh, Israel and not allow uh, uh, the screening of their work uh, in israel Mais depuis 2006 the deuxième guerre du, du Liban, uh, les artists the de pays arabes, de territoires arabes, euh, boycottent Israël et ont décidé de ne pas euh, autoriser la projection de leur travail hein, en Israël. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais dire exactement le contraire. Donc oui, le film a bien été montré une fois à Tel Aviv. Uh, It's, uh, it's very difficult for me uh, to admit in public that i, uh, I robbed um uh from his uh, author's rights and screened the film uh, uh, in a little uh, cine club that i uh, run in tel aviv donc it's très difficile pour moi de, en public uh, que j J'ai volé, j'ai enlevé, oui, j'ai ôté. Mm -hmm. le, le, le son droit en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, à, à raider en donnée en projetant le film dans un petit ciné club que j'ai à Tel Aviv. And uh, well, one may say that not only the uh, the uh, author's rights, but also the political rights, uh, by uh, uh, screening the film. Um,

ce film en Israël il faut que j'avoue que je l'ai fait et il n'y a pas de bonne explication à ça mais je vais quand même uh, devoir l'expliquer et je l'appelle parce que ça a aussi à voir avec faire des films ou faire des documentaires I I call it the the, the documentarists uh, dilemma. Donc j'appelle ça le dilemme du documentariste puisque c'est aussi une question liée à la réalisation de films et de documentaires. in the trailer we saw earlier, there was a, a frame from uh uh Frederic Weismann's uh, Titikat Follies. Donc dans this dans or something. Dans la bande annonce qu'on a vue, on a vu, y avait un, on a vu un, un court extrait, une image du film de Frédéric Wiseman. Which, which Titicat Follies. Dieu knows sait ce que ça signifie. le mot Titicat. Mais de toute façon, dans ce film, il y a un. C'est un film qui se déroule dans un hôpital mental pour les prisonniers. Nous parlons aujourd'hui parlant seulement des prisonniers. Uh, et donc, un, dans, ça se passe dans un institut uh, psychiatrique, dans un hôpital uh, psychiatrique pour, uh, pour prisonniers. And there is a sequence there when one of the prisoners who is uh, 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 mentally sick, ill, is led totally naked through the uh, corridors of the of the mental hospital slash prison to be shaved. Et donc il y a une scène où euh, un, un prisonnier euh, qui, qui souffre euh, de, donc, de problèmes euh, psychiatriques est conduit à travers les couloirs de l'institut slash euh, hôpital pour être euh, entièrement nu, pour être rasé. Et les gardiens de prison sont là, provoquant lui tout le temps parce qu'ils savent qu'il perd très facilement son température. C'est un aspect de sa maladie. Et les gardes n'ont de cesse de, de le provoquer et de le titiller pour lui faire euh, perdre son sang froid parce qu'ils savent que, que ça vient très vite ça fait partie euh, des, des troubles dont il souffre et tout ça euh, toute cette séquence est filmée et euh, est vue à l'écran. and you ask yourself when you watch the film how can wiseman do it how can he put such a humiliating moment even though this person bob would never had the opportunity to watch himself uh, 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 with other people uh, and uh, to, 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 uh, to see his humiliation on screen Et on se demande comment est-ce que Frederick Wiseman peut mettre ça à l'écran, même si uh, la personne en question, on se dit, n'aura jamais l'occasion uh, de voir cette scène uh, en compagnie d'autres personnes. Mais on se demande comment, quand même comment est-ce que uh, Wiseman peut mettre une scène aussi humiliante comme ça devant nos yeux. But on the other hand, having seen the scene, you ask yourself, how could Frederick Wiseman not show it? That uh, the, that uh, in, in America, uh, uh, less than uh, 20 years after the end of, uh, of uh, Second World War, uh, uh, mental, people who are mentally ill and, uh, and prisoners are treated in such a way uh, Uh, a Nazi, uh, way. Et en même temps, d'un autre côté, on se demande mais comment est-ce qu'il pourrait ne pas montrer ça Montrer qu'aux États-Unis, uh, à peine 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des gens, qui, des prisonniers qui souffrent de troubles uh, psychologiques ou psychiatriques, sont traités de manière uh, aussi, uh, manière uh, propre aux nazis. So the dilemma of the documentarist is many times uh, to show or not to show and which of the et donc le dilemme du documentariste c'est ça c'est montrer ou, ou ne pas montrer et lequel de ces deux mots euh, est le pire et je pense pas qu'il y ait de bonne réponse um, many times when we, when we see films about et souvent, quand on voit une personne privée à, à l'écran, même quand ce n'est pas des scènes d'humiliation, pour moi, il y a souvent un sentiment d'inconfort. Pourquoi est-ce que j'en sais autant sur cette personne dont je ne sais rien? lives very Et en même temps est-ce qu'on peut se représenter un cinéma ou même un cinéma documentaire sans euh, la vie personnelle des gens c'est très très difficile à imaginer So I'm, I've told all this story in order to divert Uh, the focus from what I did, which I have no good uh, excuse, only I decided to show malgré uh, the boycott. Yes, it's more than that. Donc j'ai raconté cette histoire pour un peu uh, dévier l'attention par rapport à ce que j'ai moi-même fait. Um, que, que j'ai fait quand même, qui est donc euh, d'avoir montré ce film malgré le boycott. Je crois que c'était une réponse. Enfin, euh, ça n'engage que moi. Parfaite, euh, <laughs> vraiment parfaite. Euh, uh, maybe I can add uh, uh, another thing, also about if you uh, asked, you asked about Israel, and here I am in Paris, uh, choosing to screen uh, a Palestinian film. Donc euh, vous avez posé une question sur Israël et donc si je peux ajouter quelque chose moi je suis aujourd'hui ici à Paris en train de présenter un film palestinien. With all respect to my political views, I'm still a uh, part of the uh, of the uh, community that is the oppressive community uh, in the Middle East uh, and uh, Raidan Dony is part of the uh, community that is oppressed by us en quelque soit ma propre approche politique je fais néanmoins partie de la communauté des oppresseurs et Raid Anthony de la communauté des opprimés au proche-orient and and uh, i i i'm raising it uh, because i again because i have no answer of uh, how do i allow myself

Dans un rôle qui pourrait être interprété comme une forme euh, d'appropriation, d'être l'occupant euh, euh, généreux qui montre les films la, de l'occupé Il n'y a pas de bonne réponse à cela, mais je pense que c'est mon rôle de mettre la question sur le table et uh, uh, mentionner la possibilité que uh, la vie uh, est plus compliquée que uh, nous. Were, than we were promised when born. donc je pense qu'il n'y a, a pas de bonne réponse à ça mais je, je pense que c'est mon rôle de, de soulever la question et d'évoquer l'idée que peut-être que la, la vie est plus compliquée que ce qu'on nous avait promis à la naissance bien euh ça ressemble à une conclusion, <laughs> euh, si on peut dire. Euh, ben merci, euh, merci à Armel d'abord pour la traduction, Armel Chrétien. Merci beaucoup à Vimograbi pour euh, votre intervention et vos, vos réflexions euh, précieuses. Et euh, Stéphane, je te laisse peut-être conclure pour redire. Euh, Donc, on doit demain. malheureusement euh, vider les lieux. Mais on a eu des, des, une, une, une discussion passionnante avec Avi Mograbi. Pour les étudiants, pour tout le monde, mais pour les étudiants, je, je, je leur répète, il y a deux choses qui, à mon avis, sont passionnantes dans ce qu'a dit Avi d'une clarté absolue. Mes films sont comme un making-of. Making et nous ne faisons pas un film documentaire sur la réalité, mais dans la réalité. C'est donc un. Une belle formule méthodologique. Demain, pour qui veut, à 18h, au centre de conférence du, centre, euh, du, du campus Condorcet, métro Front Populaire, nous avons Avi Mograbi pendant deux heures, à partir de 18h, et il faudra continuer cette discussion. Merci beaucoup, Avi. Thank you very much. Thank you very much. Thanks for coming.